Pierre Oteiza, éleveur salaisonnier dans la vallée des Aldudes au Pays Basque. Le porc basque, qui fait le quintois par sa viande et par son jambon, est élevé en plein air. Il retrouve un peu toutes les saisons, aussi bien l'hiver, avec les fruits d'hiver comme le châtaigne, du fen, le printemps, l'herbe. L'été, d'autres, des feuilles, des ronces qui mangent. Et aujourd'hui, en début septembre, on a les glands qui commencent à tomber et qu'ils adorent, puisque, tiens, on entend le craquement des glands, justement. Ils sont en train de manger des glands, là. Et ça, c'est super. Et ensuite, 20 mois d'affinage. Et voilà, il faut compter 3 ans pour se régaler avec un bon produit, de la naissance du porcelet à l'assiette. Le fun, c'est ce vent qui souffle actuellement. C'est le vent chaud qui souffle et l'humidité de la mer qui nous permet de sécher ce jambon, puisqu'on arrive à avoir l'hydrométrie et on arrive à sécher en même temps. Et ce qui fait la particularité de notre jambon, notre jambon n'est jamais sec, n'est jamais dur, il reste toujours moelleux. De la fourchette à la fourchette, 3 ans. Le porc basque, c'est un porc ibérique. Un porc ibérique, il y a du gras dans le maigre. Et c'est ce gras en séchant qui pénètre dans la viande et qui donne ce goût sucré, qui donne cette puissance de viande qui est propre au porc quintois. Le seul conservateur du jambon aujourd'hui, c'est le sel, piment d'Espelette et l'air qui souffle pour le sécher, plus naturel. Si on veut faire plaisir à 4 Basques, des œufs du jambon, je pense qu'on ne va pas en trouver un qui va dire non, hein, c'est sûr.